Hello les gamers, c'est ZPKinian93, on se retrouve aujourd'hui sur Modern Warfare 3, sur la map blindée. Ils sont sortis deux nouvelles missions en opération spéciale, celle-ci c'est la deuxième, la première était détonateur. Deux missions vraiment tendues. Du moins celle-ci, la détonateur, ça allait encore. Ouh là là, j'ai quelques petits lags, j'espère que ça va passer. Que ça va aller mieux par après parce que je ne suis pas l'hôte de la partie. Donc je ne dispose pas de la connexion nécessaire. Hop. Parce qu'à la place du lance-grenade en mode solo, parce que moi j'ai déjà fait en mode solo cette mission à la place du lance-grenade en solo, c'est un petit laser rouge qui nous permet de verrouiller la cible en fait. Donc ici vous allez voir que le tank il va vraiment être très très important. Je vais vraiment en avoir énormément besoin parce que sans lui j'irai pas très loin. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Hop. Je joue un peu la bourrin, j'en ai rien à faire. J'ai envie de m'amuser, on n'est pas en ligne, donc cette fois-ci on peut profiter. Comme en ligne on ne le fera pas pour respecter les gens avec qui on joue, pour pas les emmerder. Mais ici on est en solo. Enfin, les gens qu'on tue ne sont pas des vraies personnes, donc on peut y aller à la noob attitude. Et c'est plus comique. Mais je précise bien qu'en ligne, faire ça. Moi quand on me fait ça, je rage bien fort. Donc je le ferai jamais à personne. Je dis pas, hein, j'ai déjà ramassé une arme à terre qui avait un lance-grenade et je l'utilisais. Hein. Mais bon, je vais faire une propre classe comme ça. Ouais, comme ces Akimbo là qu'ils ont remis dans Black Ops 2, c'est génial aussi ça. C'est super intelligent de la part d'Activision. Même Robert Browning, donc un des créateurs d'Activision qui travaille chez Activision, avait dit qu'ils allaient enlever ça. Et même lui a dit qu'il voulait quitter Activision rien qu'à cause de ces conneries là. Que dans le nouveau ils avaient remis ça parce que c'est un grand joueur de Call of Duty, il joue en compétition et ça l'a vraiment emmerdé parce que c'est des armes de merde. Et là je sais pas tirer dessus parce que putain. Ah que ça m'énerve, j'avais pas tiré dessus parce que j'avais mon C4 en main, hein, le temps que le bonhomme y réagisse. J'ai eu le temps de me faire allumer plus d'une fois. C'est moi qui rêve ou il y a un tank qui vient de voler là? Ah non non non, non, c'est pas le tank, c'est le missile. Alors là c'est peine perdue d'office. Je joue un peu n'importe comment, hein, je vous préviens. Là, je suis là pour m'amuser, il est 8h du mat. Je rush un peu à n'importe quoi. Alors là on est en Hambourg. En fait on doit aller d'un point A à un point B. On doit se faire escorter après par un hélicoptère, je pense qu'il va venir nous chercher à la fin. On doit aller jusqu'à la plage. Et la plage se trouve là-bas derrière, on la voit l'eau. On y est presque. C'est une mission qui franchement est beaucoup plus longue que les premières missions de Call of Duty en opération spéciale. Je parle du contenu Elite, hein, je ne parle pas des opérations spéciales qui étaient déjà dans le jeu quand on l'a acheté. Hein. Parce que les autres dans le contenu Elite, elles duraient plus ou moins 4 à 5 minutes. C'était vraiment pas très, très marrant parce que après 10 minutes, t'avais déjà torché les deux opérations spéciales. Qu'ici au moins... ils ne sont pas moqués de nous, c'est une opération spéciale qui dure bien 10 bonnes minutes quand on veut la faire intelligemment. Parce que là on rush un peu n'importe comment, mais si on veut vraiment bien la faire en 10 minutes c'est tout à fait en 10 minutes c'est faisable. Mais si on veut prendre le temps, il faut à mon avis bien un bon quart d'heure pour la faire. Mais vous allez voir, oh là je sais bien que si c'est chaud, pourquoi j'avance? Tu le sais bien, tu fais. Et si je dois ouvrir la porte à mon équipier, oui, c'est déjà ouvert. Non, c'est ouvert. C'est lui qui n'ose pas parce que lui, il voudrait faire les trophées. D'arriver au 100% à la fin. Parce que 500 points, ouais. D'accord. Là, derrière la colline, il y en a partout, en fait. What the fuck? Wouh! Ouh là, je viens de me faire une belle frayeur. Parce que là, on est à la fin, là. On doit aller juste là. Et on y est presque. Hein. Un hélico qui va venir foutre la merde, là. Ah ouais. Vous avez vu le temps qu'il a fallu avant que le hit marker se produise? C'est quand même fou. Allez. Qui va l'avoir? Sûrement lui. Ah oui. Bien joué, mon ami, c'est normal. Il va avoir beaucoup plus de kills que moi à la fin de sa partie. En même temps, c'est tout à fait normal. Il est dans le tank. Donc, il a aucun risque de se faire allumer. On va le relancer de la grenade à tirer la rigueur pour les calmer parce que là il y a encore une petite résistance. Il va encore me rouler dessus comme tout à l'heure.
Il comprend pas que j'utilise l'arrière du tank pour me protéger et en même temps pour recharger. Lui, dès que j'arrive derrière lui, il recule. Avec cette précision de merde ici. Bon, je vais lui ouvrir la porte qui passe. Oh, il y en a un truc, ça mène. Oui, les graphiques sont vraiment beaux. Allez, ça. J'espère qu'il va l'avoir. Excusez-moi pour le petit moment de stress là, mais. Ouh, il me stresse. Ah ouais, j'ai compris ce qu'il veut faire. D'accord. C'était pas mauvais. Très bonne initiative, on va aller. Il ne reste plus rien. Ah bah, on va avoir aussi le trophée de terminer la mission en ayant les 100% sur le tank alors. J'espère que j'aurai aussi le trophée, vu que je ne suis pas dans le tank. Ça serait possible qu'il ne me le donne pas. Hein. Donc voilà, on arrive à la fin de la mission, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Regardez ça, les graphiques. Hein. Comme je vous ai dit, on est sur la PS3, hein, pas sur la Xbox. Hein, donc c'est encore un petit peu moins bien. Mais waouh. Et voilà, la mission est finie. C'est un bateau qui arrive là. On le voit juste en face, en fait. Ce n'est pas... Regardez le nombre de kills que lui a fait par rapport à moi. C'est quand même assez impressionnant. Et voilà, pas une égratignure, donc le trophée est acquis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'upload la vidéo tout de suite, comme ça vous l'aurez au plus vite. Je pense que vous l'aurez aujourd'hui. Et je vous dis bonne soirée à tous, les salut, les petits loups. Salut, salut.